aujourd'hui, on va commencer par un temps d'échange pour ceux qui souhaitent s'exprimer. Si des personnes ont envie de s'exprimer sur un ressenti du moment. Quel est le principe de la sophrologie? La sophrologie, c'est essentiellement des techniques corporelles où on vise à retrouver ou à trouver un équilibre entre le mental, le corps et les émotions. Donc la séance se déroule, elle dure environ une heure. Elle se déroule en trois temps. Donc, il y a le premier temps, on est sur l'accueil, sur un temps d'échange pour pouvoir échanger ou non, si on le souhaite, sur les ressentis des personnes, les besoins des personnes. Après, le sophrologue propose des exercices, des techniques adaptées par rapport aux personnes reçues. Et ensuite, il y a un temps d'échange pour pouvoir ou non s'exprimer sur ce qu'on a pu ressentir pendant la séance, à travers le corps, à travers les émotions. On se centre sur soi et on écoute son corps. Ensuite, on va faire un petit exercice sur les respirations, aux différents niveaux de respiration. Alors Bernadette, vous avez participé à la deuxième séance. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est très bien. Ça me relaxe et puis surtout, je crois que ça fait du bien à la mémoire. À la mémoire, ça vous entraîne? Oui, parce qu'elle nous a fait faire 2-3 tests et j'étais étonnée que j'avais retenu comme ça. Le dos droit, mais sans tension. Vous asseyez comme vous le souhaitez. Donc, soit contre le dossier, soit en position plutonique. C'est comme vous le souhaitez.